Bon matin, bienvenue à l'Église Le Portail. Je salue Terrebonne. J'étais là la semaine dernière pour vivre l'expérience du streaming, la diffusion vidéo. Vraiment une super expérience. Je vous invite vraiment à visiter Terrebonne. Vraiment, si vous êtes de la région, vous allez l'adopter. Donc, je vous salue Terrebonne. Très, très content également de vous revoir. Vous savez, des gens qu'on voit moins, on s'ennuie d'eux. Donc, une fois de temps en temps, d'aller les visiter, ça fait du bien. Donc, salut. Salut Laval, j'espère que vous allez bien. Je salue également tous nos amis qui nous suivent via Internet du Québec ou d'ailleurs. Et nous sommes dans une série qui se nomme Gloria Dei. C'est une série, ça fait déjà, on est à mi-chemin, quatrième message de 8. C'est une série également durant la semaine dans nos petits groupes. À l'Église de Portail, on croit que pour ta croissance spirituelle, c'est bien un dimanche matin, mais ça prend également une réunion de semaine avec des croyants où on peut s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres. Et dans les petits groupes, on poursuit cette série, on l'approfondit sur, encore une fois, sur la gloire de Dieu. Et Gloria Dei, c'est en latin, ça nous vient des cinq solas. On croit, une église comme la nôtre a été influencée par ce qu'on appelle la réforme, et on croit en Jésus seul, on croit que Jésus seul peut te sauver, on croit que Jésus seul peut te pardonner, on croit qu'un seul médiateur entre, entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Quels sont ceux qui croient en Jésus seul? On croit à la Bible seule et non pas à la tradition. Donc, en matière de la Bible, fait autorité en matière de foi et de pratique. On croit qu'on est sauvé par la foi seule. Pas par tes œuvres, pas par tes mérites. Par la grâce de Dieu seule. Et on croit que tout ce qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, cela étant dit, la gloire de Dieu, c'est le concept le plus riche, le plus profond de la Bible, le plus important. Et on a vu ensemble que gloire veut dire littéralement poids. En hébreu, gloire, c'est kabod. La gloire, c'est quelque chose de pesant. Quelqu'un de glorieux, c'est quelqu'un de pesant. Quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui a une réputation. Et quels sont ceux qui croient que Dieu est le plus pesant dans ta vie? Celui qui a le plus de poids dans ta vie, ce n'est pas tes problèmes, ce n'est pas tes péchés, ce n'est pas tes autres, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas tes maladies, c'est Jésus. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit que Jésus a la gloire, c'est que Jésus a le plus de poids dans ma vie. On a vu également que la gloire, on peut l'utiliser comme un adjectif en disant que Dieu est glorieux et on parle des infinies perfections de Dieu. J'ai parlé de ça au début de la série. Également, la gloire de Dieu peut être la présence active et visible de Jésus. Par exemple, quand tu dis « Jésus, je veux voir ta gloire dans ma maison », c'est que tu veux voir son action d'une manière visible. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Et maintenant, ce matin, j'aimerais parler du kabod, mais lorsque c'est un verbe. J'aimerais parler de glorifier. La Bible parle beaucoup que non seulement Dieu est glorieux, mais que nous sommes appelés à lui donner la gloire. Et en fait, glorifier Dieu, c'est attribuer à Dieu, donner à Dieu la plus grande valeur. Comme par exemple, avec cette image où dans nos vies, souvent, il y a des situations, il y a des personnes qui ont un poids, il y a des situations qui nous pèsent. Et lorsque tu arrives à l'église le dimanche matin, tu dis, je délaisse ces choses-là, je me concentre sur Dieu, je lui offre ma louange, je lui offre ma reconnaissance, parce que c'est à lui que j'attribue le plus de poids dans ma vie. Je peux entendre un autre amen à ça? Maintenant, ce matin, nous allons parler de louange. Et si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Deux versets ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, donc c'est la venue, c'est avant la venue de Jésus. Et on va voir comment les croyants d'autrefois, lorsqu'ils ont commencé à louer et adorer Dieu, voici ce qui s'est produit. Un superbe texte encore une fois ce matin. Et pendant que vous tournez, on avait vu également que lié à la gloire, souvent, il y a le feu. Pourquoi? Parce que le feu, c'est chaleureux et dangereux. Et ça, c'est une belle image de Dieu. Dieu est chaleureux. Dieu a les bras grands ouverts ce matin. Dieu t'accueille. Dieu t'aime. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux, oui. Dieu est gracieux. Mais si tu te moques de Dieu, Dieu est dangereux. Donc, et souvent, il y a également la nuit qui est la fumée. Ça nous dit que Dieu veut se révéler, mais il y a toujours une portion de mystère. Même si Dieu révèle sa gloire dans ta vie, on ne va jamais avoir accès pleinement à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur, on est privé de la gloire de Dieu, et on ne peut voir Dieu et vivre dans toute sa splendeur, son excellence, sa majesté, son autorité, sa souveraineté. Cela étant dit, 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Pour se mettre en contexte, c'est lorsque on a bâti le temple, donc on a bâti l'église et on a emmené l'Arche de l'Alliance. On a vu ça également dans la série qui était le symbole de la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque le peuple de Dieu, lorsque des croyants comme vous et moi sont conscients que Dieu est dans la place et commencent à le louer, voici ce qui se produit. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et les chantres, unis dans un même son pour louer et célébrer le Seigneur,
fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louer le Seigneur en disant « Car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » À ce moment, la maison du Seigneur fut remplie d'une nuée. Les prêtres, les pasteurs, les croyants, ceux qui étaient là, ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Wow, quels sont ceux qui disent, ça c'est une belle prière pour l'Église de Portail, « Seigneur, nous voulons que ta gloire remplisse cette maison. Seigneur, nous voulons que ta gloire soit tellement manifeste qu'on en soit un peu inconfortable, qu'on en soit dérangé. Nous voulons être tellement conscients que tu es parmi nous, que nous voulons, Seigneur, que tu viennes faire une œuvre concrète dans nos vies. » Maintenant, on va parler ce matin comment Dieu utilise la louange de son peuple pour se glorifier. Et pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est que tu as un peuple qui donne gloire à Dieu, qui va glorifier Dieu, et Dieu, en retour, va donner sa gloire. C'est un peu comme le cycle de l'eau. Vous savez, l'eau qui tombe du ciel, ce n'est pas de l'eau qui vient de nulle part. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le ruissellement. Il y a de l'eau sur la surface de la terre, et par évaporation, elle retourne au ciel, une condensation, et ensuite, une précipitation, l'eau retombe sur terre. C'est un peu la même chose. La Bible dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, lorsqu'on a les yeux de la foi, nous voyons que la gloire de Dieu ruisselle sur la terre. Maintenant, l'Église de Jésus est l'endroit où nous redonnons gloire à Dieu. Nous le glorifions, nous le glorifions, on lui attribue la plus grande valeur. C'est comme l'eau qui remonte. Et Dieu, dans sa grâce, alors qu'on lui donne gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne encore plus de gloire. Et c'est ce qui est merveilleux, quand tu prends un temps pour glorifier Dieu, pour élever le Dieu Tout-Puissant, il manifeste sa puissance dans ta vie. Quand tu chantes sa grâce, il manifeste sa grâce dans ta vie. Quand tu déclares sa gloire, il se glorifie dans ta vie. Et c'est ce qu'on voit. On voit un peuple qui est conscient que Dieu est glorieux, que la majesté de Dieu est là, il donne gloire à Dieu et Dieu manifeste sa gloire. Et moi, je dis, Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie. Seigneur, manifeste ta gloire. Et mon premier point ce matin, la louange est la seule réponse convenable à la gloire de Dieu. La louange, c'est la seule réponse convenable à la gloire de Dieu. La Bible parle beaucoup de louange, et ça vient d'un mot hébreu qui est Hillel, et vous savez littéralement ce que ça veut dire, louange? Ça veut dire faire du bruit. Quand vous allez dans un concert au Centre Bell, puis vous voyez « Make some noise! » C'est exactement la même chose. La louange de Dieu, et oui, je crois qu'il y a des temps où on est en révérence, on est en dedans nous, ça se passe dans notre cœur, mais il vient un moment où la louange doit sortir, et la louange, c'est célébrer Dieu par nos paroles, par nos cris, par nos chants, elle doit jaillir de notre bouche. Vous savez, le psalmiste va dire, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Le psalmiste ne dit pas, « Je pense, loué soit l'Éternel. » Je suis conscient, non, il dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel. » La louange, c'est s'écrier, c'est parler, c'est crier. La Bible dit juste pousser des cris de joie. Est-ce que déjà ici, vous êtes capable de pousser un cri de joie, une louange à notre Dieu? C'est par des chants. Le psalmiste, c'est quand je dis le psalmiste, c'est-à-dire, on a dans les psaumes, en passant parenthèse, on a le livre des psaumes, c'est 150 chants en fait. C'est des cantiques qu'on chantait dans l'Église d'autrefois. Et quand je dis le psalmiste, en fait, c'est l'adorateur, c'est celui qui élève sa louange à son Dieu. Et le psalmiste dit, « Le Seigneur a mis un chant en moi, une louange pour mon Dieu. » Maintenant, essentiellement, la louange, il y a des gens ici qui t'ont donné ta vie à Jésus dernièrement, peut-être tu nous visites ce matin, c'est quoi la louange? La louange, essentiellement, là, c'est chanter la gloire de Dieu. C'est chanter la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est une des choses qu'on voit à l'Église de Portail. On avait des amis qui nous visitaient dernièrement, et lorsqu'ils sont rentrés dans l'Église, ils se sont dit, la première chose qui nous a marqué, c'est la place que vous accordez à la musique, que vous accordez au chant. Alors, on le voit avec le stage, il y a comme beaucoup d'emphase. Pourquoi? C'est simple, parce que Dieu est le créateur de la musique. Et dans les psaumes, ça dit, jouez bien de vos instruments. Si tu joues mal de la guitare, sois béni, mais lâche ta guitare et commence à faire d'autres choses. Commence à chanter. Maintenant, jouez bien de vos instruments. C'est pourquoi on prend beaucoup de temps, parce qu'on veut offrir le meilleur au Seigneur. Mais on réalise que le meilleur au Seigneur ne commence pas par le talent, ça commence par le cœur. Donc, également, la Bible régulièrement dit de chanter. Vous savez, il y a 500 allusions au chant dans la Bible.
il y a au-delà de 50 fois le commandement qui dit « chantez pour le Seigneur, chantez pour l'Éternel ». La Bible nous dit même que Dieu est un chanteur. Vous ne savez pas ça, hein? Sophonie. C'est quoi Sophonie? C'est pas quelque chose de drôle. Sophonie est un livre de la Bible, un petit prophète. Et il y a un verset qui dit la chose suivante. « Ton Dieu est parmi toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il chantera pour toi. » Est-ce que tu savais que Dieu chante pour toi? Il chante la bénédiction sur ta vie. D'ailleurs, lorsque j'étudiais pour le lire la série Origine, des commentateurs disent que Genèse 1 est un poème et plusieurs pensent que Dieu a créé le monde en chantant. C'est une interprétation, mais il y a quelque chose là où le chant est très important pour Dieu. Non seulement Dieu aime chanter, mais Dieu aime quand tu chantes pour sa gloire. Et c'est la seule réponse convenable. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire la chose suivante. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. La louange est la seule réponse convenable à la gloire de Dieu. Lorsque vous allez en exploration, ça m'est arrivé, à un moment donné, j'étais avec mon épouse, on va dans une montagne, il y a un petit sentier, et lorsque tu arrives au bout de la montagne, tu vois le lac, tu vois le ciel, tu vois, c'est incroyable. Quelle est la seule réponse convenable? Wow! Wow! Mais quand tu réalises les merveilles de Dieu, la seule réponse convenable, c'est Alléluia. C'est juste ça, tu ne peux pas rien y offrir. Vous savez, combien ici, mesdames, vous avez un enfant de 5 ans, si je vous donne le choix entre votre enfant de 5 ans qui fait une belle carte et qui met son cœur ou qui emprunte 2$ à papa pour aller vous acheter une carte au Dollarama, qu'est-ce que vous préférez? La carte qui vient du cœur. Et ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est pourquoi dans le psaume 51, le psalmiste va dire, « Seigneur, je t'offrirai des sacrifices, je t'offrirai plein de choses, mais tu ne prends pas plaisir en ça. Ce que tu prends plaisir, c'est dans mon cœur. » Et ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu, c'est lorsqu'un croyant, une croyante se lève et déclare sa grandeur et sa splendeur et chante sa gloire. Et c'est la seule réponse convenable. Et c'est ton pasteur qui te parle. Il y a plusieurs personnes ici, tu dois apprendre la louange. Pourquoi? Il y a des gens, tu as commencé à suivre Jésus dernièrement, tu as mis ta foi, il t'a pardonné, il commence une œuvre de restauration, il te change, mais tu as besoin d'apprendre à louer ton Dieu. Il y a des gens ici, tu viens peut-être d'un autre milieu, d'une église où c'était plus tranquille, tu arrives ici puis tu penses que c'est juste le portail et c'est une des caractéristiques du portail. Ce n'est pas une caractéristique du portail, c'est une caractéristique biblique. Puis il y a des gens ici, tu as juste perdu ta louange, tu as laissé le diable voler ta louange. Il y a des hommes ici, des femmes, vous étiez des adorateurs, vous aviez continuellement un chant dans votre cœur. Et le diable vous a volé de votre louange. Et vous venez sur le dimanche matin, puis vous êtes sur le pilote automatique. Vous avez besoin que le Seigneur ranime votre louange. Puis il y a des gens qui disent, mais comment je vais y arriver? Je veux juste dire que si tu es un enfant de Dieu et que Dieu t'a sauvé, le Saint-Esprit est en toi. Et la Bible dit, le Seigneur a mis en moi un cantique nouveau, une louange pour mon Dieu. Et si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit crie « Abba, Père », et ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec ton salut vient tout ce qui est nécessaire à offrir une louange agréable à Dieu, au nom de Jésus. Il y a des gens ici, tu dois apprendre à louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste dans la louange. La Bible dit que Dieu réside dans les louanges de son peuple. Et pourquoi est-ce que la gloire de Dieu est descendue dans le temple d'autrefois? Est-ce que vous croyez vraiment que le peuple a dit « Seigneur, nous te bénissons, viens parmi nous. » Non, ils ont fait de la place à Dieu. La Bible dit « Louez Dieu comment? » Il y a des gens qui disent « Ah, c'est trop intense cette louange-là. » Écoute-moi bien, tu ne peux pas être trop intense pour Dieu. La Bible dit de louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Et la réalité, c'est que lorsque tu loues Dieu, tu fais une louange où tu loues selon l'immensité de sa grandeur, tu fais de la place à Dieu. Et tu as besoin de comprendre, il y a des gens, là, tu peux offrir un 5 minutes de louange où tu le loues selon l'immensité de sa grandeur. Dieu va déverser sa gloire, puis il y a des gens, tu peux chanter pendant 3 heures, puis tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur, c'est ta foi. Et ce que je prie, c'est que vraiment qu'on réalise, vous savez, Dieu réside dans les louanges de son peuple, Dieu manifeste sa gloire. Lorsqu'on le loue, il y a quelque chose de spirituel qui prend place. Quels sont ceux qui croient que la louange, ce n'est pas le réchauffement pour la prédication? La louange est autonome, c'est-à-dire la louange, oui, dispose les cœurs, mais il y a quelque chose de spirituel. Il y a des gens, tu peux avoir ta victoire dès le premier chant au nom de Jésus. La louange, c'est important.
Et la réalité, c'est un peu comme une plante qui est dans un pot trop petit, elle ne peut pas s'émanciper. Et souvent, de fois, on offre une petite louange à un grand Dieu et on s'attend qu'il va déverser sa gloire. Maintenant, c'est la seule réponse convenable. Et ce matin, j'aimerais t'enseigner sur comment Dieu utilise concrètement la louange pour sa gloire. Et je fais une mise en garde. Je vais me concentrer vraiment sur du concret. Je vais parler de notre louange, de ce que Dieu fait dans nos vies. La mise en garde est la suivante. La louange n'est pas centrée sur toi, elle est centrée sur Jésus. Je me permets de le faire parce que j'ai déjà enseigné beaucoup sur la gloire de Dieu. Donc, on est rendu là. Mais si tu es ici pour la première fois, ou si tu prends ce message en passant sur Internet, j'aimerais que tu réalises que le fondement de ce message, c'est de réaliser que Dieu a toute la gloire et que c'est lui l'important dans la louange. Le but de la louange, ce n'est pas de te bénir toi, c'est de te bénir lui. OK. Premièrement, Dieu utilise la louange pour nous enseigner. Dieu a créé la musique et la musique a la capacité de nous communiquer de l'information. Par exemple, dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient après G? Oh, pasteur, tu poses des grandes questions difficiles. Là, savez-vous, il y a des gens, ce que vous faites? A, B, C, D, E, F, G. Êtes-vous d'accord? Ah, moi, mon fils dit, papa, c'est quoi après P? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A. Pourquoi? Parce que les chansons ont cette capacité d'inculquer en nous, ont la capacité de nous communiquer de l'information. Maintenant, c'est vrai pour tout, les publicitaires l'ont compris, la preuve. $12, $5. Ah, je suis avec les enfants, je dis, OK, vous voulez aller manger, les enfants? Ah, papa, on va chez Subway, c'est $12, $5. Les publicitaires. Ah, le clan Pantone, vous connaissez le numéro de téléphone. Pourquoi? Maintenant, moi, je crois que dans la louange, Dieu veut communiquer sa parole dans ta vie. Dieu veut te transmettre de l'information. La louange, c'est plus que des chants. C'est une prédication. C'est Dieu qui nous enseigne la grâce, qui nous enseigne l'Évangile, qui nous enseigne le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Enseignez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur. » Quand on chante « Grâce infinie », j'étais perdu d'errant de lieu en lieu, mais ta grâce m'a retrouvé. On prêche l'Évangile? Tu dis « Oui, je connais ce chant-là. » Oui, mais Dieu est en train de dire « Tu as besoin d'appliquer cette vérité-là à ta vie encore. » On prêche la Bible lorsqu'on déclare « Tu changeais l'eau en vin, guéris les yeux de ta main. » C'est quoi? On est en train de prêcher l'Évangile de Jean, chapitre 2 et chapitre 7. Lorsque on chante, par exemple, « Combien Dieu est grand », ce n'est pas juste un chant, tu es en train de déclarer, il y a de la théologie là-dedans. Lorsqu'on dit que Dieu, tu es le roi, tu es le sauveur, on a commencé la réunion en déclarant, tu es le roi, tu es le sauveur, il y a une grande théologie là-dedans. Moi, je crois que tout est théologique. Quelqu'un qui rentre ici pour la première fois, il sait, il vient de comprendre, on lui prêche que Dieu, Jésus est sauveur, et non seulement il est le sauveur, il peut être le Seigneur de ta vie, il contrôle toutes choses. Maintenant, il y a des gens ici, tu as besoin, lorsque tu viens à l'église, tu as besoin de dire, Seigneur, par ton Saint-Esprit, enseigne-moi à nouveau dans l'Évangile, dans ta parole. La réalité, Dieu est en train de communiquer de l'information. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit que dans le temple, regardez ce que les gens vont chanter. Ils chantaient « Car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Puis c'est intéressant parce que si vous allez dans le psaume 136, vous allez vous rendre compte qu'on répète ce refrain-là à peu près 30 fois dans le chant. Toi, t'es tanné après 4 fois lorsqu'on chante un refrain. Eux, ils chantaient ça 30 fois. C'était inculqué dans leur tête. Pourquoi? Parce que lorsque tu retournes à la maison et que tu apprends une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui revient dans ton cœur, car il est bon, car sa fidélité durera toujours. Et les croyants, lorsqu'on chante et on chante et on chante, hey, si on est capable de retenir 12 pouces, 5 $, est-ce qu'on peut retenir « Oh, combien Dieu est grand! Oh, combien Dieu est grand! Oh, combien Dieu est grand! » Quand on chante ce chant-là, on peut chanter 40 fois. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le, combien. La réalité, c'est quoi? C'est non seulement une louange à Dieu, mais quand tu retournes au travail, lorsque tu as une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose par le Saint-Esprit qui revient, combien Dieu est grand, puis ça change ta vie. C'est ça, la louange. Deuxièmement, la louange, Dieu l'utilise pour nous encourager. La musique a la capacité de stimuler nos émotions. Et ce matin, je fais des parallèles avec la musique séculière, je fais un parallèle avec le naturel pour t'amener dans le surnaturel. Écoutez les extraits suivants.
et pensez à l'émotion que ça jaillit en vous. Par exemple. Tu peux pas écouter ça puis être marabout. C'est comme... Ça met de la joie. Est-ce que vous êtes là? OK. Ce prochain extrait, qu'est-ce que ça stimule en vous? Moi, c'est clair. Moi, je vous l'ai déjà dit. C'est tellement vrai. L'autre fois, on est au gym. Pasteur Phil et moi, on est en train de mourir. Okay? Il y a toutes sortes de fluides qui sortent de notre corps. Et là, on va abandonner. Et là, j'entends « tin, tin ». C'est ridicule. C'est un film. Mais ça suscite le courage en moi. Je me sens un héros. Je me sens un vainqueur. C'est naturel. Mais imagine ce que Dieu peut faire par son Saint-Esprit de manière surnaturelle dans la louange. Prochain extrait. Vous ressentez pas la même chose. Ah, je vois des femmes qui sont... C'est drôle, j'en ai vu d'autres comme... Hollywood a étudié quels sont les sons qui ont la plus grande charge émotive. Et c'est ça qui a la plus grande charge émotive. Pour les uns, évidemment, c'est touchant. Pour les autres, c'est comme ça les encourage. Pour d'autres, c'est souffrant. Hein, des gens, tu penses peut-être à tes parents, le mariage de tes parents. Il y en a d'autres, tu penses à ton propre mariage. Premier amour, il y en a d'autres, ça te rappelle ton divorce. Ça suscite des émotions. Dernier exemple. Vous voyez pas, moi je vous vois, il y a du monde, c'est comme... Comment une musique peut provoquer quelque chose chez toi? Je veux juste déclarer que la louange, oui, premièrement, donne gloire à Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, utilise la louange pour nous encourager. Quand tu chantes « Dieu de gloire », il y a comme un sentiment de révérence qui monte en toi et Dieu fait grâce lorsque tu t'humilies. Lorsque tu chantes « Christ est ma joie », Christ est ma joie. C'est comme, wow! Tu peux pas faire la baboune. Tu chantes Christ est ma joie. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais ça change quoi dans ma vie? J'ai juste un sourire. Non! Parce que quand tu chantes Christ est ma joie, tu réalises que ta joie est en Jésus, n'est pas dans les circonstances de ce monde. Et quand tu es dans la joie, la Bible dit, Néhémie dit que la joie du Seigneur sera votre force et tu sors avec une nouvelle force qui change ta vie. Non seulement tu en as un, du deux pour un, tu donnes gloire à Dieu et Dieu fait une œuvre d'encouragement par le Saint-Esprit dans ta vie. Lorsqu'on a chanté tout à l'heure, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Ah, on a tous des angoisses. Et là, tu arrives, tout à coup, il y a comme la paix qui surpasse toute intelligence qui prend place alors que tu es dans la foi, que tu élèves le nom de Jésus. Quand on chante, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Peut-être même tu as une tristesse. Puis tout le monde ici, là, il y a une part de brisement dans nos vies. Mais quand tu arrives, puis dans ta vie s'est écroulée, ou ça ne va pas, puis tu chantes, tu te sens brisé, blessé, tu arrives à l'église, puis tu déclares dans ton royaume, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus, les vies brisées sont restaurées. Il y a une tristesse, mais il y a comme un espoir qui prend place. Quand on a chanté tout à l'heure, « Me voici l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. » Honnêtement, là, tout le monde, là, il y a une part de honte. Okay? Si tu n'as pas une part de honte, tu n'as pas une part de repentance, là, tu viens d'une autre planète. Là, tu es un extraterrestre, puis il vient prêcher à ma place. Pourquoi? Parce que c'est comme... Moi, à chaque fois que je chante l'être plein d'indignité, ça me ramène à mes péchés, ça m'attriste, ça m'amène à la repentance, ça m'amène à me confier en Jésus, puis ça me donne de l'espoir, puis ça me donne de la joie. Lorsqu'on a chanté, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, tu es dans un désert, tu chantes ça, tu es dans la peur, « Seigneur, où est-ce que tu es? »
mais je dirai béni soit ton nom. Vous voyez comment la louange, tout à coup, il y a comme quelque chose, ça crée une émotion qui ne reste pas une émotion, c'est une émotion qui suscite une foi, qui la foi fait la différence. Hein, les plus vieux d'entre nous, lorsque on chante un vieux cantique, on arrive là, Dieu Tout-Puissant, là c'est comme, wow, c'est le réveil. C'est le réveil, pourquoi? C'est comme tout à l'heure le twist, il y a du monde, là, vous dites, quand vous avez entendu ça, vous dites, hé, que la musique était bonne dans le temps. Ils ont perdu la recette. Pourquoi? On ne peut pas se battre contre des vieux cantiques. Pourquoi? Parce qu'il y a la nostalgie. Puis ça te rappelle ton premier amour, ça te rappelle ton expérience, tes premiers temps avec Jésus. Tu ne peux pas battre ça. Moi, j'entends des tunes. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, il y a au-delà de 20 ans, j'avais des cassettes. Oui, oui, pour les plus jeunes d'entre nous, des cassettes. Là, c'est l'ancêtre du CD. OK? Je mettais des cassettes, puis c'était des cassettes de louange. Je louais le Seigneur. J'entends ça. Quelquefois, souvent de fois, je mets la radio chrétienne. Puis là, ils sortent à un moment donné un vieux cantique comme ça. Ça me remue toujours. C'est comme, hic, les années 80-90, c'était glorieux. Pourquoi? Non, c'est mon expérience. C'est mon expérience. C'est la nostalgie. Ça nous rappelle le premier amour. Il y a plusieurs personnes ici, quand tu entends les vieux cantiques, au lieu de se dire, on devrait plus les chanter, puis j'aime pas les nouveaux chants, on devrait dire, Seigneur, redonne-moi l'amour que j'avais à cette époque. Renouvelle mon premier amour. Vous savez, toute une génération aujourd'hui, là, infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Là, nous autres, beaucoup de l'équipe pastorale, dans 25 ans, là, on va avoir les cheveux blancs. On va être moins énergique. Mais quand ça va jouer à l'église, puis les jeunes, ils vont le faire, là, on va se lever, puis on va dire, oh, qu'il y a de l'onction ce matin. Puis là, ils vont l'avoir arrangé d'une nouvelle manière. Puis là, pasteur Phil et moi, on va se regarder, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous gâchez le chant! Mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'émotif, mais utilise cette émotion, mets ta foi et accroche-toi à Jésus. Amen. Dieu utilise la louange également. Et juste quelque chose avant que j'oublie. Vous savez le genre là, qu'on retrouve le plus dans les psaumes? J'enseigne les psaumes à l'ITF, théologie des psaumes. Vous savez, ce qu'on retrouve le plus dans les psaumes, ce n'est pas la célébration, ce n'est pas la joie. Ce qu'on retrouve, les chants qu'on retrouve le plus, là, c'est des chants de lamentation. Seigneur, je suis blessé. Seigneur, tu m'as abandonné. Où es-tu, Seigneur? Seigneur, ta colère est sur moi. Pourquoi tu détournes ton regard? Où es-tu, Seigneur? Je ne te sens pas. C'est ça qu'on retrouve surtout dans les psaumes. Mais dans tous ces psaumes de lamentation, il y a toujours, toujours un pattern qui revient. Le psalmiste commence en disant « Je suis blessé, je suis perdu. » Puis là, il y a comme quelque chose qui prend place. Puis à la fin, il dit « Seigneur, je te fais confiance, je te loue parce que tu es fidèle. » Et souvent dans les églises, on a dit, les gens arrivaient à l'église et on disait, moi j'ai entendu plein de conducteurs de louanges, des pasteurs le dire, ce matin, là, laissez vos fardeaux à la porte, laissez vos soucis à la porte et venez au pied de la croix. Au portail, on ne dit pas ça, on dit non, non, amène tes soucis et tes fardeaux à Jésus. Amène-les avec toi. Et savez-vous quoi? Il y a des chants, il y a des cantiques qu'on retrouve dans la Bible qui sont des chants de colère. Ça s'appelle des psaumes d'imprécation. David va dire, « Seigneur, tu vois mon ennemi, brise-lui les dents. » Vous imaginez? Aujourd'hui, là, on fait ça cute, mais imagine là, si on avait un chant, c'est comme, « Seigneur, pète les dents de mes ennemis. » Là, les gens, vous êtes choqués, mais je ne fais pas un dixième de ce que David dit. Pourquoi? David, là, a compris quelque chose. Pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, là, il ne se censure pas devant Dieu. David, il vide son sac devant Dieu. Puis il y a du monde ici, là, tu as besoin de comprendre que la louange, c'est correct de venir adorer, puis d'être frustré, puis d'être blessé, puis de vivre toutes sortes de choses, puis au lieu de nier, puis de te mettre un beau petit masque, de juste dire, Seigneur, oui, Christ est ma joie, je ne le sens pas, mais je le déclare au nom de Jésus, puis Seigneur, je suis frustré en même temps, puis oui, tu es ma joie, mais je ne suis pas de bonne humeur. Vide ton sac. Puis il y a beaucoup de gens qui font des burn-out spirituels, ou qui s'éloignent, qui sont rétrogrades, qui s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne hygiène spirituelle. Et là, je m'en allais dire des affaires, mais je vais le dire, je m'excuse, je vous demande pardon d'avance. Tu gardes tes cochonneries. OK? Il faut que tu vides les poubelles à un moment donné. Là. À un moment donné, on fait à croire que tout est beau, puis on garde ça en dedans, mais Dieu, il y voit tes poubelles. Il y voit tes déchets, puis il vient à un moment donné où tu te tiens, puis tu dis, Seigneur, je vide mon sac. Ça, c'est libérateur. C'est libérateur. Peut-être que tu as besoin de t'enfermer, peut-être que tu as besoin d'aller dans le bois. Mais il est arrivé des fois où c'était pas beau, il fallait que je vide mon sac, puis je ne voulais pas le faire à l'église. Tu s'entends? Mais la réalité, dans un lieu désert, j'allais vider mon sac.
Là, après ça, là, quand tu as sorti ta colère devant Dieu, vous, je sais, vous n'êtes jamais fâché contre Dieu, là, c'est juste moi. Fâché contre Dieu. Puis j'ai dit des affaires, puis après ça, j'ai comme quand j'ai tout fait, là, c'est comme si Dieu me disait, OK, t'as fini, là. Là, il a parlé à mon cœur. Il a pardonné, il a guéri. C'est ça, la louange aussi. Dieu utilise la louange pour nous enrôler. La musique a aussi cette capacité d'influencer nos actions et notre volonté. Non seulement ça communique l'information, non seulement ça suscite des émotions, mais ça nous pousse à l'action. Trois exemples. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer. Tourne numéro un dans les mariages. Pourquoi? C'est comme un vœu. Imagine, là, tu te chicanes avec ta femme, puis ça joue à la radio. Là, tu penses, encore une fois, ça ne vous arrive pas, mais tu te chicanes avec ta femme, puis là, c'est comme... Ouais. Puis là, toutes sortes d'affaires qui te passent dans la tête, puis là, ça joue, on va s'aimer. Puis là, tu dis, ouais. Puis là, tu es chrétien, puis là, après, on va s'aimer encore. Dieu te ramène Éphésiens, aimez vos femmes. Puis... Non, mais sérieusement, vous comprenez, c'est comme... Tu peux pas lâcher prise après avoir écouté un chant comme ça. Ça suscite une chanson comme ça, ça suscite quelque chose. Imagine encore une fois quand c'est l'Évangile. OK, un autre exemple. Ça va faire, on est à l'église. Cette chanson-là a les records de Baby Boom. OK, je parle de la vie. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes. Je te prends des exemples du séculier pour que tu comprennes combien Dieu peut faire ça fois 1 million. Là, ça peut avoir une influence. Une petite toune peut avoir une influence dans ta vie. Imagine le Dieu Tout-Puissant par sa grâce dans son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? OK, dernier exemple. I grew strong and I learned how. Il y a des filles ici, là, vous avez été laissées. Et là, tu manges, tu écoutes des films de filles avec la crème glacée Häagen-Dazs devant la télévision, avec les mouchoirs partout. Et là, tu entends ça, puis là, « I will survive! I will survive! » Ça sent le vécu ici, là. Il y a comme... Maintenant, la louange peut faire également, peut, Dieu s'en sert. Encore une fois, Dieu a créé la musique. Tu sais, évidemment, Satan peut utiliser la musique pour lui, mais Dieu, la nature de la musique, c'est Dieu le créateur de la musique et Dieu s'en sert pour nous enrôler. Quand tout à l'heure, on a chanté, combien de gens ici, là, juste dans les... Levez pas la main, mais dans les proportions, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui ont le goût de lâcher, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont affligés. Puis quand on a chanté dans les temps difficiles, OK? Est-ce qu'on s'entend, là, qu'il y a beaucoup de gens ici, vous avez des temps difficiles, puis tu chantes, dans les temps difficiles, je redirai, béni soit ton nom. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que tu retournes à la maison, tu retournes à ta vie. Mais cette semaine-là, au lieu de penser à abandonner, quand le diable va dire « abandonne, abandonne », toi, tu vas dire « je bénis le nom de Jésus ». Ça fait une différence. Ça suscite Dieu, s'en sert pour t'enrôler. Quand tu as un défi, puis Dieu te dit, te demande de faire un pas de foi, puis tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, puis est-ce que Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles? Est-ce que je dois vraiment aller dans où cette porte s'ouvre? Puis tu arrives à l'église, puis le premier chant, c'est « j'irai là ». J'irai là. Quand tu es découragé, puis tu viens à l'église, puis tu chantes « Je louerai l'Éternel, je ferai de toi la source de ma joie. » Moi, je me souviens là, des moments où je n'étais pas dans la joie, parce qu'il y avait plein de choses dans ma vie qui ne marchaient pas. Puis j'arrive à l'église, puis je déclare « Je ferai de toi la source de ma joie. » Ça change ta vie. C'est ça aussi la louange. Et un des chants qu'on aime beaucoup au portail présentement, pourquoi est-ce qu'on l'aime? Moi, je crois que c'est à cause de ça. C'est le chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Avouez, on chante ça, tu ne peux pas dire « Jésus, je te suivrai ». C'est comme, moi, là, c'est je suis prêt à mourir pour Jésus quand je chante ça. Là. La vie n'est pas facile. C'est pourquoi qu'on vient à l'Église, on donne gloire à Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, l'utilise. Retourne la gloire, fait une œuvre en nous, puis tu es comme « Je te suivrai ». Tu sais, tu penses, tu dis « Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que… » Non, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai. C'est un statement, c'est une déclaration, c'est un énoncé. Jésus, je te suivrai. Ça fait une différence.
Dieu utilise la louange, finalement, pour nous entraîner. Non seulement la musique communique de l'information, elle stimule des émotions, elle suscite l'action, mais elle influence ta disposition. Deux exemples classiques. Même réaction aux deux réunions. Savez-vous ce qui est drôle? Il y a du monde ici, là, t'as voté PQ depuis des années, t'as voté pour les deux référendums, pour la séparation du Québec. Toi, là, t'es Québécois à l'os. Et là, tout à coup, là, oh, Canada, tu te lèves, puis t'as une larme. Puis pire que ça, t'es le défenseur de la loi 101, puis là, God keep Ireland, là, t'es... Totalement incohérent. Mais pourquoi ça suscite quelque chose? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine quand toute ta vie te dit que ça ne vaut pas la peine, que toute ta chair, que les démons de l'enfer sont contre toi, que le péché t'attaque. Est-ce que tu crois que d'arriver et de te lever et de dire « Je ne chanterai pas un hymne national, je chanterai un hymne pour mon Dieu », ça peut faire la différence. Si quelqu'un a une réalité puis elle est changée, imagine dans la louange. Dernier exemple. OK. Tout le monde en haït ça, faire ça. OK, à part là, certaines de ma tante que je connais, là, OK, c'est comme, non, il n'y a personne qui a du plaisir de dire, ah, tu sais, quelqu'un va dire, Pasteur Gaétan, tu es chez nous, on va faire rouler les mains, non. Mais quoi, t'arrives, là, tout à coup, là, il faut que tu le fasses dans un party de famille, puis tu commences. Puis là, tu te laisses prendre. Là, oh, les mains! Et là, à un moment donné, quelqu'un arrête la musique. Calmez-vous. Vous voyez ce que je suis prêt à faire pour communiquer l'Évangile, OK? Et là, quelqu'un arrête la musique. Non, encore! Pourquoi? C'est comme tu te laisses prendre au jeu. C'est en plein ça, la louange. Dieu te demande, te dit, dis pas, oh, les mains. Oui, oh, les mains. Il te dit de sauter, de crier des... Peut-être que tu n'as pas le goût, mais si tu le fais, tu te laisses prendre au jeu spirituellement et tu offres une louange au Seigneur. Et le point est souvent, il y a toujours une excuse pour ne pas louer le Seigneur. C'est un homme d'expérience. Vous savez, Dieu se sert de la louange pour t'entraîner, pour façonner ta discipline spirituelle. Et la louange, honnêtement, là, si tu deviens un adorateur, Dieu façonne ton obéissance. Il y a toujours une raison de ne pas louer le Seigneur. Soit tu es fatigué, tu es découragé, tu es blessé, tu es frustré, tu es démotivé, tu es dans la culpabilité. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible dit d'offrir un sacrifice de louange. Ça te coûte de quoi? Hey, c'est pas vrai, là, on a okay, un dimanche par année, par semaine, on en a 52 par année. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je vous garantis qu'il y en a beaucoup là-dedans que je n'avais pas le goût de louer le Seigneur. Mais j'ai appris souvent que lorsque j'avais moins le goût et j'offrais un sacrifice de louange au Seigneur, c'est là que Dieu manifestait sa gloire dans ma vie. Dieu a façonné mon obéissance. Si tu n'es pas capable d'obéir à ce commandement d'adorer le Seigneur dans la maison de Dieu, ne crois pas que tu vas être capable d'obéir au Seigneur dans ton quotidien. La réalité a toujours une excuse. C'est pourquoi que Dieu, c'est un commandement. Il dit « Louez le Seigneur, louez-moi ». Moi, je crois qu'il y a toujours une excuse pour louer Dieu. Il y a des gens qui se trouvent des excuses pour ne pas louer Dieu. Moi, je veux te donner des excuses pour louer Dieu. Puis la plus grande des excuses, nous est fournie dans les psaumes, ça dit « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». OK, on va faire quelque chose. Le jour où tu arrêtes de respirer, tu as le droit d'arrêter de louer le Seigneur. OK, on ne t'en tiendra pas rigueur. Mais tant que tu respires, tu as une raison, tu as des excuses de louer le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? La réalité, plusieurs d'entre nous, on a besoin d'apprendre. Moïse va dire, Seigneur, tu es le sujet de mes louanges. Il y a des gens ici, tu as besoin de comprendre que le sujet de tes louanges, ce n'est pas comment tu te sens, ce n'est pas tes émotions, c'est Jésus. Jésus ne change pas. La réalité, vous savez, c'est un privilège de louer le Seigneur. La Bible dit « Heureux celui qui loue le Seigneur ». On est dans une génération où on dit « Écoute-toi, écoute-toi ». Non, parle-toi, parle-toi. Moi, si je m'écoutais, souvent de fois, je ne louerais pas le Seigneur. Souvent de fois, je viendrais à l'église. Tu dis « Oui, mais tu es le pasteur ». Ben oui, je vis la même chose que vous.
Mais la réalité, c'est un privilège de louer mon Dieu. Puis je suis là, mais je pourrais être à l'arrière. Puis je peux être dans mon lieu secret. C'est toujours le même privilège de louer mon Dieu. Vous savez, le psalmiste disait la chose suivante. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre ce verset-là par cœur et de le pratiquer. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » Et finalement, la louange, Dieu veut non seulement façonner ton obéissance, il veut façonner ton humilité. Ça, on ne l'entend pas beaucoup, là, mais écoute-moi bien, j'ai presque terminé. L'humilité, là, dans la louange, c'est crucial. Et Dieu façonne ton humilité dans la louange pour façonner ton humilité dans la vraie vie. David, lorsque David, la Bible nous dit qu'il a vu la gloire de Dieu, il s'est l'arche de l'Alliance, il a dansé devant le Seigneur, il a loué le Seigneur tellement intensément que sa femme même, la Bible nous dit, sa femme l'a méprisé. Et ça, c'est la même expérience. Pour plusieurs d'entre nous ici, tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent de toi. Savez-vous quoi? Si tu veux vraiment marcher dans les voies de Dieu, être béni de Dieu, tu as besoin d'humilité. Puis il y a des gens ici, tu manques d'humilité dans la louange. Puis là, tu vas dire, non, mais je suis timide, je suis introverti. Non. Savez-vous, puis je parle par expérience, souvent la timidité, c'est un problème d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu veut façonner. C'est pourquoi que la Bible dit, chantez. Hey, écoutez, moi là, il y a plein de gens qui rient de moi quand je chante. OK, je vous l'ai déjà dit, ma femme dit, quand tu prêches, je rapproche le micro, quand tu chantes, éloigne le micro. OK? J'ai plein de gens qui... Moi, là, il y a du monde qui m'en va. Oh, pasteur, on est béni quand tu chantes. Tu fais comme Céline Dion quand tu as des hautes notes. Tu t'éloignes le micro comme... Ah. Puis moi, j'aime, tu sais, quand il y a la passe de drum, j'aime ça comme faire le drum en même temps. Boum, boum. Puis là, des fois, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que tu as l'air? Puis là, le Saint-Esprit dit, tu t'en fous. Oui. Vous savez, j'ai quelqu'un dans ma famille... quelqu'un de ma famille qui a gagné le Festival de la chanson de Granby, okay, qui est le probablement le plus grand festival amateur au Québec. Puis il m'a entendu chanter, puis il m'a dit, « Gaétan, tu chantes très juste. Le talent reconnaît le talent. » C'est tout ce que j'avais à dire. La Bible dit, « Poussez des cris de joie. » Est-ce que des gens, vous êtes capables de pousser des cris de joie? Puis il y a des gens ici, c'est correct, tu ne l'as pas fait parce que tu dis, « Mais non, comme voyons donc. » Je ne vais pas avoir l'air fou, crier, pousser des cris de joie. Mais ce soir, tu vas crier, par exemple, le Canadien de Montréal. À l'Église, on est des ameneux, des alléluiaeux. On aime ça dire Amen, Alléluia. C'est dans la Bible. La Bible dit que le peuple de Dieu dise Amen, Alléluia. La Bible dit acclamer le Seigneur. On le fait en passant, là. Si on acclame le Seigneur, tu as le droit de ne pas lever les mains, tu as le droit de ne pas acclamer le Seigneur, tu as le droit de ne pas s'outiller au nom de Jésus. Mais si on acclame le Seigneur, acclamons-le comme il faut. Hein, l'acclamation, ce n'est pas comme la zone tampon entre le premier et le deuxième chant. Où... Si on acclame le Seigneur, on le fait. Si tu chantes, fais-le. Sinon, fais-le pas, mais faisons-le comme il faut, s'il vous plaît. La Bible dit, louez-le avec des danses. OK, on va se calmer. Voici un homme qui se donne. Honnêtement, là, je trouve ça très drôle. Je n'ai jamais vu quelqu'un se donner comme ça dans la louange. Ce n'est même pas une caricature. C'est quelqu'un, c'est un vrai artiste avec des vrais concerts. Voici quelqu'un qui se donne pour Jésus. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. We're singing for the glory of the risen King. Woo! Come on, everybody, clap your hands. Come on, woo! Okay. Wow! Ah, c'est trop, mais j'aime ce gars-là, là. On va le voir au ciel, là, c'est clair. Là. C'est comme, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie juste de dire,
j'étais à Jeunesse en mission, qui est un mouvement missionnaire d'étudiants. Puis à un moment donné, tu sais, il y a toutes sortes d'expériences dans ces affaires de jeunes. Puis à un moment donné, il y avait un conducteur de louange qui était un peu flyé, puis il disait, « OK, on enlève les chaises, puis là, on va offrir vraiment une louange avec notre corps au Seigneur. » C'est là que j'étais pas à l'aise, OK? Puis je me souviens, il y avait une fille à côté de moi, c'est une fille qui avait étudié en théâtre, extravertie. Puis là, le chant, c'est comme, il y avait un chant qui disait, « Dieu est un héros puissant, il combat avec les épées. » Puis là, elle était là, puis... Moi, là, j'étais jeune chrétien, puis c'est comme, tu sais, ça, là, c'est le plus de danse que je peux faire, là. Mais mon point est suivant. Il y a des gens ici, tu viens à l'église, puis t'es tellement fermé. T'es tellement fermé. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. T'es pas obligé de faire des choses que t'es pas à l'aise, mais, tu sais, donne-toi, là. Tu sais, chante contente. Tu sais, c'est comme loue le Seigneur. Est-ce que vous avez compris le point? Loue le Seigneur. La Bible dit d'avancer. Souvent, des fois, il y a des gens qui n'avancent pas. Pourquoi? C'est l'orgueil. Tu sais, il y a une notion, il y a quelque chose de spirituel quand tu avances, c'est tu viens offrir ton sacrifice de louange au Seigneur. Je crois que Jésus est partout. Jésus n'est pas plus là, mais il y a quelque chose quand tu lèves tes fesses, puis tu prends tes jambes, puis tu avances. Il y a comme quelque chose où... Vous êtes là? La réalité, la Bible dit, lève tes mains. J'ai lu quelque chose, j'ai presque terminé. J'ai pas lu, j'ai vu une conférence cette semaine d'une psychologue qui parle du langage non-verbal. Il y a du monde ici, tu me parles présentement, il n'y a pas juste moi qui te parle. Il y a du monde là, depuis tantôt, tu es comme ça, là, tu es comme, tu es fermé. OK, ça, c'est. Là, il y a du monde qui se défont leurs bras, c'est correct. Oh! Je vous aime, c'est correct, moi, je fais pareil. Et elle disait. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Il y a un langage universel de victoire. Lorsque on a vu quelqu'un remporte une épreuve, tend les mains dans les airs et regarde au ciel. C'est universel. Et savez-vous quoi? On a réalisé que même des aveugles, des non-voyants qui n'ont jamais vu, lorsque tu prends un aveugle, puis tu lui dis, voici, il y a une course, puis gagne la course, et exactement la même chose. Pourquoi? Moi, je crois que c'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Dieu nous a créés pour être des adorateurs. C'est pourquoi la Bible dit « Lève les mains vers le Seigneur ». Pourquoi? C'est un signe d'ouverture et c'est un signe que tu te tiens dans la victoire de Jésus. Il y a comme quelque chose où tu accueilles ce que Dieu a pour toi. Puis là, souvent, il y a des gens qui sont tirés, disent « Oh, mais ça, c'est pas moi, ça. Je n'ai pas été habitué comme ça, lever les mains. » Et cette psychologue disait la chose suivante, elle disait « Oui, on reconnaît que les pensées influencent notre corps, mais notre corps influence nos pensées. » Puis elle disait, souvent, il y a des gens qui. Elle expliquait à des gens qu'elle allait dans des entrevues, qui arrivaient, mettons, dans l'entrevue comme ça, puis elle disait, déjà avant même l'entrevue, là, tu n'auras pas le poste. Mais si avant, tu sais, c'est comme. Tu prends la victoire, tu arrives, déjà là, tu es plus confiant, puis tu vas l'avoir. Il y a comme. C'est pas la pensée positive, c'est juste comme ton corps crée quelque chose en dedans de toi. Maintenant, les gens qui vont souvent lui dire, oui, mais je ne suis pas un hypocrite, c'est pas moi. Puis elle disait la chose suivante, fake it till you make it. « Fake it till you make it. » Elle disait, éventuellement, « Fake it till you become it. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens ici, tu n'as pas le goût de louer le Seigneur. Il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi, ce n'est pas dans ma nature. » La réalité, c'est pourquoi que la Bible te donne le commandement de lever tes bras, de chanter, de crier, parce que quand tu vas faire des actes d'adoration, tu vas devenir un adorateur. Amen. Je termine avec ceci. Il y a 2 ans, quand notre amie est morte, je vous l'ai déjà raconté, 38 ans, avec 3 enfants, puis on arrive dans la chambre, à l'hôpital. Elle est là, elle ne peut pas parler, elle ne voit pas, elle est presque dans un semi-coma. Puis on est là, puis on ne se sent pas dans la joie. Là. C'est un ami de 38 ans dans le ministère, puis là, elle va mourir. Là. Tu sais, à un moment donné, où tu pries pour la guérison, le miracle, le miracle, le miracle, mais là, à un moment donné, là, tu sais que c'est fini. Là, tu as son mari. Là, tu penses que lui se retrouve avec 3 enfants. Puis moi, c'est quelqu'un qui a une grande influence dans ma vie. Puis là, ma femme et moi, là, on ne se sent pas heureux, on ne se sent pas dans la foi. Savez-vous quoi? À un moment donné, tu ne sais pas quoi faire. Puis il y a son mari, il y a ma femme, il y a moi, puis il y a elle qui est couchée. Puis on commence simplement à chanter combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien. Juste ça. Savez-vous quoi? À ce moment-là, là, c'est comme réveiller puis commencer à chanter. Alors qu'il n'y avait pas de signal, elle commençait à chanter. Puis c'était. Puis savez-vous quoi? Pendant des années, elle a servi le Seigneur. Puis combien de réunions, combien de moments où ça a été un sacrifice de louange? Tu sais, fake it, elle l'a fait. Mais à un moment donné, elle est devenue. Dans un moment où son corps n'est plus là, la médecine, il n'y a plus rien.
Il y a comme quelque chose de spirituel qui reste. Elle est une adoratrice. Puis ça, le diable ne pourra jamais y enlever. Ça, c'est vrai pour nous. Je termine avec ceci. C'est vrai pour nous. Là, on n'avait pas le goût, mais on a déclaré combien Dieu est grand. On avait de la difficulté à croire, mais on croyait que notre Dieu est plus grand que le cancer, que cette situation-là. Et Dieu veut te façonner semaine après semaine dans la louange.